pars, je répare. Par toi, je t'en prie, allez. Mais toujours que 3 là, hein, Tess. Bon, comme je dis, si tu débarques, tu pousses à côté, ça va vite. Non, ça va pas à 180, hein. À 176, le cockpit explose. Enfin, ouais, je peux insérer le disque 2. C'est pas mal quand même. Quand t'accroches un 140, 150... Comme le Beaver, à peu près. Vous avez décollé, là, ou vous êtes encore en... Ah, c'est pas... Ça y est. Bon, ben, ça sera vitesse, pas le cas. Moi, je vois tout le monde comme il faut. Moi aussi, apparemment, sauf... pas tout, parce que... Je le vois avec le baron de... Il a sûrement décollé, que c'est volé, pas tout. Aïe. Bon, j'attends que le dernier... Il n'y a pas de volé, ce machin. Il est mort, je sais pas où il est. Moi aussi, je vois tout le monde comme fou, là. Pour une fois, je vois pas de bateau. Peut-être prendre le cap, les gars. Bon, alors, le cap, où est-ce qu'il est? Alors... Andy me coupe. Les gars, j'espère que tu as ouvert tes trappes, Andy, parce que tu vas prendre feu. Ah, j'ai oublié de mettre le cran de volet, tant pis. Ah, bah là, je... Comment tu les ouvres, tes trappes? Bah, si je prends feu, ça va, t'es derrière, tu me lâches pas un bidon. Ah non, mais je me suis trompé, je pensais que t'avais le 4. Mais Didier, les switches, ils sont sur la barre centrale. Il y a deux switches. Tu les lèves en haut et t'attends qu'ils soient ouverts au complet. Ouais, bah attends, je me mets en vol horizontal d'abord, parce que sinon je crois que ça va finir mal. Pas déjà du mal, parce qu'avec le vent qu'il y a. Alors, comment ça s'appelle sur la barre centrale? Fuel Boxster? Non. Pito Hit. Cool Flap Open. Cool Flaps Open. Cool Flaps. Ah bah c'est bon, ils sont vers le haut. Non, ils sont vers le haut. Ouais, c'est vrai que j'ai plus l'habitude moi avec ce truc. Ah, c'est comme le T-Bush, c'est pareil. Non mais là ça marche. Non mais t'es venu. On va passer au du plumeur Baudou australien. Bon ça va. Pourquoi il passe pas sur P3D? T'as mis à la mienne turbo la mémère. Oh là là. C'est qui la mémère? Elle a facile avec son beaver. Ouais. Bon, une fois que je suis parmi ceux qui. À fond la caisse, tu passes là. D'habitude, il y a d'autres qui sont tout le temps devant. Quoique, pas tout s'il veut avec son truc. Moi je suis à 120 nœuds. Bon, à 120 nœuds toi? Aiguille normale. Bon, attends, parce qu'il faut cycler dans les tableaux de bord. Il y en a tellement que... Ah ben oui, je suis à 160 quand même. Attends, je vais réduire un peu, moi. Alors, combien je suis? Ah ouais. Heureux que j'ai pas mis des lisses pour entraîner les essuie-glaces. Ouais. Donne sur la Diane. Oh putain. Ah ouais putain, alors là, effectivement ça se pilote ce truc. Ah oui. Un homme neuf. Pour vous dire, je vous en parlais quand même là, mon PA c'est le moderne, hein. Et moi j'utilise celui des FSX. Sauf que j'utilise souvent la course au lieu du mode tout automatique qui suit le GPS. Là. C'est que je m'amuse avec mon heading bug. Sauf que là, si j'étais parti et là on arrive au tournant, il n'y aurait pas aussi tout droit. On peut ralentir un petit peu, ça va permettre à ceux en arrière de rattraper. Et moi j'ai rattrapé. Soulager je vous ai moteurs, en visuel là déjà.
Par contre, c'est marrant, dans P3D, j'ai vu, dans Dunsenry, il n'y a rien. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Ah non, il n'y a rien. Rien du tout. Ouais. Du tout, du tout. C'est comme FL6, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien non plus. Ah non. Ah, je me rappelle plus. Pas tout est passé dessous, fais attention. Ouais. Descends, ouais. Ouais, je m'excuse. Remonte. Oh putain, mais c'est pas vrai ce moteur à la con. Ouais. Et là, les ombres au sol, on va repasser. Hein. Allez, oh, ben non, ouais. Ou les ombres. Moi, c'est pas activé là, parce que. Faut pas trop y en demander quand même. 4 écrans, là, c'est assez. J'y étais jamais arrivé. Mais ça veut dire que c'est depuis qu'on a mis sur la même même taux de rafraîchissement. Ouais, je te dis, c'est ah ouais, ça, ouais. Ça sert énormément. Parce que j'y étais jamais arrivé dans FSX. Ah, P3D, j'en suis à la combien, la quatrième ou cinquième version, moi déjà. Là, par terre, là. Une piste juste devant. Oh, c'est bon. Ça va, question pétrole. Où ça? Devant. La scène, l'aérodrome qui est en... J'ai fait. Dans mon écran. J'aimerais mieux avoir des. Ça serait plus beau. Tu verras pas les arcs de couleurs sur un Boeing hein. Ou un Airbus. Non, mais c'est des LED qui éclairent. Ils connaissent les vitesses. Les régimes. Pour les Cessna, tu vois ça. Ah non, mais les nanas aussi. C'est des. T'es en couleur, mettons. Il change de couleur à la place, ça vient au même. Petites alarmes visuelles, ça fait jamais tort. Regarde Didier là. Ça va, je suis reparti. Ça y prendrait une coupe. Non, s'il y a de l'eau là-bas au fond, hein, si tu reprends feu. Je tourne là, moi. À traverser le lac, je vais aller mouiller la coque. Merde. Ouais, je suis pas sûr que c'est de l'eau, moi, ça. Ah, ça. Tiens. Il a été. J'ai lu en diagonale. Ah, c'est-à-dire, si tu n'as pas les textures, après, tu pioches là-dedans, quoi. Que tu récupères que les textures. Ça, c'est un AI. Hein.